Voilà, donc là on est au sein de la classe de violon dirigée par Marion Bretteville, qui est une nouvelle arrivante dans l'établissement. Voilà, donc on est ravis de l'accueillir dans l'établissement. Et donc là on a Audrey qui installe qui s'équipe pour prendre son cours. Donc t'as quel âge Audrey? 10 ans. 10 ans. T'es contente? Elle est gentille Marion? Oui, Ça va, tout se passe bien. ça va. T'as eu de la chance, Pour hein. l'instant, c'est vraiment Donc, petit. voilà, ça fait combien de temps que tu fais du violon, André? C'est ma quatrième année. Quatrième année. Et pourquoi t'as choisi le violon? Je sais pas. Je sais pas, t'aimes ça? C'est les sonorités qui te plaisent? Voilà, bon, super. Et donc, du coup, Audrey, si on prend son exemple, Audrey, elle va avoir sa formation musicale toutes les semaines, son cours de violon, et elle fait également partie de sa pratique collective, puisqu'à chaque discipline, on a des pratiques collectives qui vont avec. Et cette pratique collective, c'est quoi? L'orchestre. Et comment il s'appelle l'orchestre? L'orchestre Akid, je crois. Voilà, l'orchestre Akids. Voilà, pour les cordes. Et également quelques vents et des percussions. Voilà. Où là, ils vont aborder un répertoire, les répertoires qui sont inhérents à la pratique instrumentale, mais également d'autres où on va faire des arrangements, des choses comme ça. Voilà. Et sur les cours individuels qui durent une demi-heure, Marion, du coup, forcément, aborde tous les aspects techniques et historiques de l'instrument. Et Marion a une particularité, en fait, c'est qu'elle accompagne beaucoup ses élèves. Voilà. Donc, elle va pas pouvoir le faire, je pense, maintenant, puisque on est en tout début d'année scolaire. Mais. Sors tes partitions, si on a Tu veux le fait faire? Eh ben ça. voilà, super. Eh ben on va voir ça. Puisque le but, c'est d'essayer de mettre l'élève forcément le plus rapidement possible en situation de. Voilà, pas forcément de jouer seul, mais accompagné à une, deux, trois, orchestre. Voilà. Alors pour moi, ça apporte une certaine rigueur, déjà parce qu'on vient plusieurs fois par semaine, un investissement sur du long terme, et puis on rencontre une population qui a les mêmes valeurs que nous, et on garde, pour moi en tout cas, ces amis-là, les amis que je me suis fait aux âges de mes enfants, je les ai toujours en tant qu'amis, ce qui n'est pas forcément le cas de l'école. Où on prend tous des chemins différents. Là, on a, à moi, des vrais amis et j'espère que eux s'en font également sur du long terme. On a les mêmes attentes et au niveau familial également, on se retrouve là tous toutes les semaines et après entre parents aussi. Donc, et là, on a un peu un lieu de vie où on peut se retrouver pendant que les enfants sont en cours. J'appelle ma Blanche. Sur les notes. Et maintenant, je vous invite à me suivre et on va aller voir la classe de chant dirigée par Caroline Géa. But I ain't gonna lie. Hein, vraiment, et pareil, même combat et donc pour là, les du filles. coup, on est sur la classe de chant, donc dirigée par Caroline Géa, qui est également chef de chœur du chœur de femmes qui s'appelle Chœur de MEP. Donc cette salle-là, en fait, elle est assez spécifique puisqu'elle sert à la fois à des cours individuels, comme maintenant, mais également aux répétitions des groupes de musique actuelle. Donc les petits, en fait, apprennent sur, ou les grands d'ailleurs, apprennent également sur du matériel, comme vous pouvez le voir, hein, donc aussi bien sur du Nord Stage que sur des batteries que nous-mêmes on utilise en tant que professionnels, puisque je pense que c'est également notre rôle de pouvoir éduquer leur oreille à ce que, comment sont faits les sons de scène, ce genre de choses. Donc là, on est sur un cours spécifique donc d'une élève adulte qui chante dans un groupe de musique actuelle, adulte également, enfin jeunes adultes on va dire. Mais on a également des cours de chant qui peuvent être du chant lyrique, alors qu'on n'a pas aujourd'hui, mais voilà, il y a d'autres élèves qui sont là pour apprendre tout l'aspect lyrique, puisque Caroline est également chanteuse lyrique, voilà, donc en carrière. Donc là on est. On est donc ce qu'on appelle notre studio, voilà, qui sert également de bureau à Monsieur Jean-François Boucher, qui est notre régisseur et professeur du parcours TAM, technique associée à la musique. Au niveau des équipements, dans ce studio et ainsi que dans toute l'école, on porte
un intérêt et surtout on essaye vraiment d'insister sur l'histoire aussi des évolutions technologiques. Donc c'est pour ça que vous allez pouvoir avoir du matériel numérique comme du matériel analogique, puisque c'est important de pouvoir montrer pourquoi sur tel album ils sont passés de tel son à tel son, parce qu'il y a eu une évolution technologique. Et c'est aussi leur montrer inversement, eux maintenant, les enfants, les jeunes qui ont accès à que du numérique avec leur tablette, leur téléphone, pourquoi et comment tel son a été fait, comment un écho est réalisé en vrai, enfin un delay est réalisé en vrai, la réverb, donc tous ces chemins-là et ces cheminements-là, on va aussi leur montrer, mais leur montrer en pratique avec toute la colonne analogique ou les synthés à synthèse soustractive. Donc là, c'est le lieu où aussi bien un élève de 13 ans peut se retrouver comme un artiste professionnel, comme Jeff pour travailler le reste de ses activités au sein de l'établissement. En fait, c'est un outil commun. Voilà. Donc, vous voyez, au niveau de l'enfant, il va être mis en condition. Et puis, je vous laisse imaginer, mettez-vous à sa place quand vous vous retrouvez dans un lieu comme ça. Je pense qu'au début, vous avez un peu peur. Vous êtes émerveillé. Et à la fin, c'est quelque chose que vous utilisez au quotidien. Donc, c'est génial. C'est génial de pouvoir faire ça. Donc quand mon fils a eu 5 ans, il m'a demandé de faire de la musique parce que je suis moi-même musicienne ainsi que beaucoup de gens de ma famille. J'habite à Ifs et donc il y avait le conservatoire. Je préférais une petite école de musique de proximité et j'ai connu la MEP qui allait s'ouvrir. Et voilà, je suis venue voir les locaux et... voilà, je me suis tout de suite sentie bien ici. Et donc maintenant, on va aller voir la Fanfare Kids. Donc la Fanfare Kids, c'est la pratique collective de tous nos instrumentistes de vent, jeunes et adolescents, également avec quelques percussionnistes, un guitariste et un bassiste. Voilà, donc cette formation-là, on est sur la pure tradition, le mélange des pures traditions de brass band américain avec la fanfare française. Et on mélange un petit peu tout ça, donc on aborde un répertoire des musiques du monde jusqu'au la musique américaine ou anglo-saxonne. Voilà, on va faire des arrangements ou jouer de la musique originale. Voilà, donc allons-y, on va aller dans le club voir tout ça. Et oui, ils vont apprendre et utiliser ce répertoire-là pour créer, faire de l'improvisation. Donc c'est les premiers pas de l'improvisation et c'est les premiers pas du jeu en collectif. Donc découvrir tous les codes. Et vous voyez, de manière active, ils sont amenés à jouer l'extérieur, soit en déambulant, soit de manière statique, ou dans des salles de spectacle. Voilà. Donc d'ailleurs, vous pouvez d'ailleurs découvrir notre salle de résidence, qui est une salle modulable, où les artistes professionnels font leur résidence, leur travail, mais qui sert également de répétition pour les élèves. Ce qui fait que ça leur permet d'appréhender ce lieu-là, de se l'approprier, d'avoir un peu moins peur, mais également de tester des choses toutes les semaines. Voilà. Au début, il faut les pousser un petit peu, comme toutes les activités. C'est difficile, les deux premières années sont difficiles. C'est comme l'apprentissage de la lecture. Et ça vient de plus en plus facile. Je n'ai pas besoin de les pousser pour venir. Franchement, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu pour aller au solfège, comme je l'appelais. Là, la formation musicale... J'ai jamais rien eu, donc c'est que ça a changé aussi, les méthodes ont changé en 20 ans, en 30 ans. J'ai conseillé cette école de musique-là à des copines pour d'autres enfants aussi. Yes, merci Audrey. Bravo. Super, bravo à toi. Oui. Ma belle. Thank you.